Salut, c'est Seb. Allez, on se retrouve ici dans un décor un petit peu différent. J'avais besoin d'un peu de place dans le bureau, c'est un petit peu étriqué. On va faire le unboxing de quoi? D'un pédalier. Je vous montre pas le carton parce que forcément vous allez voir directement la marque. Je vous avais fait un petit sondage sur YouTube. Donc déjà, merci à tous ceux qui ont répondu. Je suis allé voir très honnêtement toutes les marques et les modèles qui sont dispo pour comparer un petit peu les tarifs et j'ai pris ma décision par rapport à votre sondage et par rapport à moi ce que j'avais pensé, puisque très honnêtement j'avais déjà une idée. Et voilà, j'ai fait mon choix par rapport aux tarifs, par rapport à mes attentes. On va voir tout de suite vers quoi je me suis tourné. Et puis on va faire. Alors la vidéo va se passer en plusieurs parties. Il va y avoir le unboxing vite fait. Je vais faire ça rapidement. Si ça vous intéresse pas, vous passez le chapitre. Bref, et il y aura une deuxième vidéo, le montage, les essais et mon ressenti. Voilà en gros comment va être composée ces vidéos. Allez, on passe tout de suite à la découverte du produit. Voilà, donc voilà le produit. Alors voilà pourquoi je ne voulais pas vous montrer effectivement le carton, puisque vous voyez la marque est dessus. Alors, si vous ne voyez pas, je vous le dis, je suis parti sur donc un Seamagic P2000. Alors, je vais peut-être avoir du mal à faire le unboxing et vous expliquer en même temps les raisons du pourquoi. Pourquoi ce modèle-là? Alors, forcément, je suis toujours sur le V3, le Fanatec, à aujourd'hui. Si je suis parti là-dessus, c'est un mélange de raisons techniques. Il y a l'hydraulique, forcément, pour lequel je n'ai aucune idée du fonctionnement, ni du ressenti. Mon but, c'est pas forcément d'améliorer mes performances autour, c'est plutôt d'améliorer, désolé pour le bruit, c'est d'améliorer surtout mon ressenti, puisque je priorise toujours le ressenti et feeling et l'immersion d'un produit plutôt qu'autre chose. Donc voilà. Alors peut-être que vous avez déjà vu le boxing, peu importe de ce produit. Donc la petite carte qui va bien. Hop. Donc c'est celui de base entre guillemets avec les 100 kg de pression. Ça c'est la petite facture qui va bien, on met ça là, c'est pas important. On va enlever tout de suite ça. Ouais, il fait son petit poids le petit. Hop, ça on n'en a plus besoin. On le met là. Voilà. Donc voilà. Je regarde si je suis toujours cadré. Voilà. J'ai ma petite assistante qui est hors champ que vous ne verrez pas, bien évidemment. Alors voilà le produit. Donc on va voir l'emballage, comment il est composé. Donc normalement j'ai pris quelques petites options. Forcément c'est de l'autre côté que ça s'ouvre, ça c'est évident. Alors des petits stickers, ok, un petit manuel, ok, ça c'est pas important non plus pour le moment. Alors la plaque, la base plate, hop. Ouais, c'est du costaud, hein. Très honnêtement. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir, ou là vous le verrez mieux, mais ouais, ça au niveau rigidité, je pense qu'on peut taper dedans, il n'y a pas de souci. Ça va faire le taf. Ensuite, ici, nous avons un petit schéma en fait pour voir les fixations et comment ça se passe au niveau des différents vis et des trous de perçage. Ensuite, ici, donc c'est l'une des options que j'ai pris, c'est la rallonge de pédale d'accélérateur. Pour moi, pour le talon pointe, c'est important, ça me permet d'avoir plus de prise. Dédicace à Mika, désolé, j'ai pris le dernier, donc très bien usiné, franchement. Le chanfrein et tout, c'est. Je sais pas si vous allez bien le voir, hein. Je vous fais ça un petit peu à l'arrache, mais voilà. Le but, quand même, avoué, c'est de vous montrer comment ça marche. Ça, je vais le mettre là. Je suis un peu speed hein, parce que je m'en vais en week-end et j'avais envie de vous faire ça assez rapidement. Ici, nous avons les trois pédales. Alors, on sent le poids, hein. Très honnêtement. On sent que bon, après le tarif, vous le connaissez, ça pique un peu. Donc, les pédales sont. Les mêmes, l'épaisseur, vous voyez, franchement. Et il y a des petites aspérités, des petits trous pour bien accrocher. Ça, on verra bien avec les chaussettes ce que ça donne. Donc, première chose. Ensuite, nous avons le câble de liaison. Ici, on verra ça après. Hop, la pédale principale, j'allais dire, de frein. Voilà, voilà l'engin. Donc réglé quasiment au minimum de ce que j'ai vu. Alors, hop. Ouais, bon, à la main, forcément, vous vous en doutez. Ça fait son petit poids. Pareil, encore une fois, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vous ferai des gros plans, de toute façon, comptez sur moi. Ici, encore des vis avec la fameuse clé Allen qui marche bien. On continue le déballage. Hop. Donc là, pareil, des écrous, des vis. Deuxième option, c'est pour le talon, le repose-pied à mettre dessous. Voilà, les différents ressorts, ça c'est aussi ce que j'ai aimé, c'est-à-dire différents ressorts avec toutes les duretés possibles. Donc ça c'était pour moi aussi un accessoire important.
Des vis, le repose-talon, la butée en fait, hein, pour les pieds, ici, keep pressing. Dommage qu'il n'y ait pas plusieurs couleurs. Bon, ça c'est question de choix. On va poser ça là. Hop. Ensuite, la pédale d'accélérateur. Voilà, celle-ci. Voilà, ça va. Donc là, elle est au niveau le plus faible. Donc vous avez, comme ici, je vous montrerai de toute façon d'autres vidéos, la dureté qu'on peut régler directement à la volée. Voilà, ici. Donc je perds ce réglage que je peux avoir avec le Fanatec directement dans le logiciel. On peut régler la course, entre guillemets. Ensuite, ici, hop, dernière pédale, l'embrayage. Avec un petit système de points d'embrayage ici qu'on a là. Donc c'est dur au début et plus simple à la fin. Donc on retrouve ici. Voilà, deuxième pédale. Ça fait son poids, ça c'est sûr. Et le dernier élément, hop, la carte de contrôle, bien finie. Voilà, carte de contrôle, graphée Simagic. Voilà, et encore une fois, des écrous, des vis. Voilà, en gros, je pense que j'en ai fini. Oui, j'en ai fini avec le déballage, le fameux unboxing. Je ne voulais pas que ça dure trop longtemps. Et voilà, ça claque. Donc voilà, en gros, tout ce qu'il y a. Donc tout ce qu'il y a à monter. Là, il y a un petit peu de boulot, je ne vous le cache pas. On va essayer de voir un peu selon... ce que je vais essayer de trouver, l'emplacement. Il y a deux choses qui me font peur. Alors la première, je vous le dis clairement avant de monter de ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a qu'une seule vis ici, une seule vis là et une seule vis devant pour le serrer. J'ai peur qu'il puisse y avoir peut-être un petit peu de jeu à ce niveau-là. Donc ça, on verra bien. On verra ce que ça donne sur l'utilisation et au montage. Ensuite, tout le reste, bon, ben, pour moi, ça me semble déjà du bon matos. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. En tout cas, il ne manque pas de pièces de ce que j'ai vu. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être le filmer en vitesse rapide. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin d'épiloguer 36 ans là-dessus. Après, il va falloir que je le monte en lieu et place de mon V3. Mais bon, déjà, l'unboxing, pardon, il est fait. Je vais faire une pause et on se retrouve pour le montage rapide. Et puis après, la suite des vidéos. Allez, c'est parti.